C'est une nouvelle ère qui se profile à l'horizon dans le dossier d'Ousmane Gnelloua Diallo. La Cour d'appel de Conakry statuera ce lundi 6 décembre 2021 sur la mise en liberté du militant du RPG à l'Érenciel. Condamné à 2 ans de prison ferme en octobre dernier pour menace de mort et injures publiques contre Kadiatou Biro Diallo Deka, Ousmane Gnelloua est toujours détenu à la maison centrale depuis son arrestation en septembre 2021 alors qu'il essayait de sortir du pays. D'après nos confrères de Guinée-Net, l'avocat de la partie civile pense déjà à un scandale dans ce dossier. Maître Pépé Antoine Lama jure de s'opposer à la demande de libération de celui qui a insulté et menacé sa cliente, Kadiatou Biro Diallo. Cette demande ne tient pas. C'est une démarche tordue. C'est vrai qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 244 du Code de procédure pénale, il est permis, en l'espèce, de demander une mise en liberté. Mais cette demande obéit à deux conditions. La première, il faut que l'intéressé ait exercé un pourvoi en cassation. La seconde, la demande doit être introduite devant la juridiction qui a connu l'affaire du fond dernier. Sur la même lancée, Maître Pépé Antoine Lama se dit persuadé que la demande de Gnelloua n'est pas censée être examinée par le premier président de la cour d'appel, parce que ce n'est pas la chambre de celui-ci qui a condamné Gnelloua à 2 ans d'emprisonnement. Ça prise une autre magouille et nous serons là demain pour dénoncer cette parodie de justice.